Salut tout le monde, toujours votre humble serviteur Riton. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le retour du manager confirmé depuis Paris. Voilà, il a fait trois plateaux télé, je pense, dans la journée de ce jeudi-là. Il a été à WAM, il a été à Pi Polémique sur la 3 et il a été à NCI dans Showbuzz de Molokoko et Karina Stéléozone. Voilà, qu'est-ce qu'on retient de ces différents passages là? Plus précisément de son passage sur Pi Polémique de la 3. Voilà, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Donc je vous attends nombreux en commentaire, j'attends vos avis, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous retenez de ces différents passages? Voilà, parce qu'il y a un adage qui dit « Qui ne dit rien, consent. » Qui ne dit rien, consent. Voilà, donc prenez vos tabourets. On m'a jazzé un peu tout à l'heure là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On se prend juste après le générique. Bon retour, chers abonnés. Petite information avant de démarrer la vidéo. Petite information. Je vous parlais de mon artiste Infernal DJ qui a toujours son lien sous toutes mes vidéos en description. Allez vous abonner, allez liker. Je vous passe juste l'information comme quoi il sortira le clip officiel de son morceau que certains d'entre vous ont déjà écouté. Ce 26 là. Voilà, ce samedi 26. Donc s'il vous plaît, vous avez l'information. Commencez à vous abonner dès maintenant à sa chaîne YouTube Soprod. Là où le clip officiel sortira, allez vous abonner, le lien est là dans la description, s'il vous plaît, que les vrais, ceux qui soutiennent vraiment Eritor, aillent s'abonner, s'il vous plaît, on a besoin au moins de 100 nouvelles personnes pour ce jour-là, s'il vous plaît, cliquez sur le lien et abonnez-vous, voilà, le clip est lourd, vous allez le juger le 26, il sort le 26 de façon officielle, donc allez sur les différentes plateformes de Soprod et Infernal DJ à liker, partager et abonnez-vous en masse. Cependant, parlons maintenant de l'intervention du manager confirmé sur Pi Polémique. Parce que moi, quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit waouh! Je sens que le mec va venir me foutre la honte. Manager confirmé vient pour tout jazzin. Waouh! Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Apparemment, la jeune Morissette ne nous a pas tout dit. Mais à ma grande surprise, à mon grand étonnement, je suis resté sur ma faim. Parce que on va dire que pour une fois, les chroniqueurs et l'animatrice de Pi Polémique, comme elle s'appelle, Eva Mani, ont ménagé Manager confirmé. Parce que pour ma part, je pensais que l'émission allait tourner autour de la question de Morissette, mais ils se sont plus attardés sur sa tournée et tout, et lui ont posé quelques petites questions. Celui-même qui a abordé le sujet fut Anaconda, et de façon inévitable, je savais que c'est lui qui allait aborder le sujet, sensible là, mais bizarrement, toutes les questions que Anaconda posait à Manager confirmé, il les esquivait. Soit il a été conseillé, soit il a été téléguidé. Voilà, on lui a dit que, comme tu sais en vrai, que peut-être la fille, ce qu'elle dit, nous on n'est pas avec vous à Abidjan là-bas, bien qu'on te soutienne, est peut-être la vérité. Va pas dire des choses qui vont te rattraper plus tard. Donc, mieux vaut éviter la question. Parce que, de vous à moi, après toutes ces accusations que la jeune Morissette a faites dans son émission, je pensais pour ma part que si même si Manager confirmé ne voulait pas mettre à nu des choses qu'on ne savait pas sur Morissette, il allait quand même se défendre sur les accusations déjà faites. Mais même là, il n'arrivait pas à donner une réponse plausible et il esquivait tout le temps cette question-là. Donc la question que je me pose, est-ce qu'un acte de sagesse ou bien est-ce juste une fuite en avant? Parce que pour ma part, on ne peut pas te poser la question de savoir si tu travailles toujours avec Morissette et tu nous reçois la réponse de « c'est ma soeur, je n'ai pas envie d'aborder le sujet ». Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pendant ce temps, il y a des personnes même qui ne sont pas, on va dire, en relation directe avec celle-là, font des révélations tout le temps. Mon confrère, l'unique Bucker, c'est ça, l'unique, voilà. L'unique Bucker avec un certain Charlie, quelque chose là, qui font des vidéos en train d'acculer la jeune dame. Donc, je pense pour ma part, tu ne peux pas nous dire, sur le plateau de Pi Polémique, que Morissette est ta sœur et tu vois toujours cette Morissette en train de se faire lyncher par des personnes qui te supportent, par des personnes qui te soutiennent. Voilà, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé. Moi je vous avais dit que la vérité saute aux yeux. Voilà, je répète, ça peut vous étonner, vous pouvez ne pas croire, mais Dieu m'est témoin. Je n'ai rien contre ce manager confirmé, bien au contraire, j'ai passé tout mon temps à rire pendant son émission à Pi Polémique avec ses réponses qu'il donnait et tout ça. Moi je dis et je répète encore que
Le mec est peut-être bien, mais sur l'argent, il est dur. Sur l'argent, comme on dit, sa main ne sort pas. Parce que je me dis que avec congélateur, quand on a commencé à parler de contrat, puisqu'il n'y avait même pas de contrat avant, il a trouvé que bon, moi-même je chantais avant, c'est mieux de me mettre à chanter au lieu de venir m'emmerder à ces histoires de contrats là. Avec Morissette aussi, il a commencé, la petite l'a soutenue, elle a aidé aux premières heures de son histoire jusqu'au mois de février. Et dès lors qu'il y a eu problème, c'est une histoire d'argent. Quand elle a abordé le sujet du contrat, le gars encore, il a désisté, il a laissé en route. Voilà, la petite, elle est venue clairement dire quoi. Je n'ai rien contre lui, mais je ne veux plus avoir affaire à lui parce que il ne dit pas la vérité. Je ne travaille plus avec lui, mais il raconte sur les plateaux de télé qu'on est toujours ensemble. Voilà. Il nous dit dans sa vidéo qu'il a appelé. Elle n'a pas décroché. Mais c'est parce que il y a eu des antécédents. Ça dépend de ce qui s'est passé avant que tu l'appelles. Tu vas lui demander de ne plus travailler avec elle. Et puis tu vas dire que tu l'appelles. Tu l'appelles en tant que qui? Pourquoi? Si la séparation c'était bien faite, je ne suis pas sûr pour cette jeune dame que je connais, que j'observe là, elle n'allait pas répondre à tes appels. Il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je pense pour ma part que la jeune dame même ne nous a pas tout dit. Parce qu'elle n'a vraiment pas envie de salir l'image du malade à confirmer. Elle a simplement dit qu'elle vient sur les plateaux télé pour clarifier qu'elle ne travaille plus, elle, malade à confirmer, et ne sont plus en contact. Voilà. Parce que mine de rien, la petite a été déçue. Voilà. Le mec a été ingrat. Parce que même quand on a suivi l'émission, Amanaconda l'a soulevé, Marie-Dominique l'a soulevé, Eva Manus l'a soulevé. Le résumé de cette histoire-là, c'est de l'ingratitude. Parce que la même chose qui s'est passée avec lui et congélateur se répète avec lui et Morissette. Cette fois-ci, c'est lui l'ingrat et pas congélateur. Et visez ça. Vous voyez un peu, je vous avais dit que malade à confirmer n'était pas clair. Voilà, n'était pas clair dans cette histoire-là. Mais comme vous avez envie de le soutenir, je comprends, c'est votre droit. Voilà, c'est votre droit le plus absolu. Vous soutenez qui vous voulez. Vous acceptez que la vérité soit ce que vous voulez. Mais vous savez de vous à moi que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas faux. Vous savez très bien. Quand on a regardé l'émission, quand Anakado a commencé à poser des questions, vous savez avec combien d'hésitation Malade à confirmer répondait aux questions. Voilà. Je n'ai rien contre lui, mais je dis clairement que dans cette histoire-là, vous savez très bien qu'il n'a pas raison. Voilà. Parce que pour des personnes qui me disaient, Eriton, calme-toi, attends, on va attendre sa version d'abord avant que tu réagisses. J'ai pas attendu sa version, j'ai planté le décor et il est venu confirmer les décors. Parce que comme quoi, il n'a pas envie d'aborder certains sujets. On t'a pas devenu dit tout et n'importe quoi. Mais ce dont il te reproche là, viens dire clairement que effectivement, j'ai donné l'argent à Morissette pour acheter 4 robes. À part ça, je ne lui ai plus rien donné. Je lui ai dit que je ne souhaiterais plus travailler avec lui parce que je vais travailler avec mon ancien manager. C'est aussi simple que ça. Mais comme vous avez tellement envie de soutenir le gars, vous dites qu'il a fait preuve de sagesse, il n'a pas voulu dénigrer Morissette. Ça, c'est votre avis, je le respecte. Mais la vérité finit toujours par triompher. Voilà. Moi, j'ai rien contre Manage à confirmer. Mais je vous dis, et je persiste à dire, que Manage à confirmer n'est pas clair sur cette histoire d'argent-là. Voilà. Pour l'instant, on prie que sa collaboration avec son manager continue au beau fixe et qu'elle marche très bien. Mais on ne veut pas qu'il nous donne raison plus tard. Voilà. Jusque là, on a la version de Morissette. On pensait qu'il allait venir la contredire et tout. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la dernière question de Anaconda. Il lui a posé la question de savoir, de toi à moi, j'enlève mes lunettes, est-ce que Morissette a déjà bouffé tes 5 fois? Vous pouvez aller regarder l'émission, il y a eu peut-être 5 secondes d'hésitation avant de répondre. Et puis il a dit oui, elle a bouffé mon argent. Et puis ils sont passés dessus. Bref, je m'arrête là. Et à vous de me donner vos avis en commentaire. Je sais que beaucoup sont pour la cause de manière à confirmer. C'est votre droit et je respecte cela. Mais la vérité ne se presse pas. Elle finit toujours par triompher. Voilà, ciao, ciao.